Eh bien, bonjour André, mais c'est quoi cette image? T'es en train de vendre ta maquette de la Bessonnière? Qu'est-ce qui se passe? Bonjour Antoine, bonjour Miasme. Oui, bien sûr, j'essaye un petit peu avant les fêtes de Noël de mettre du beurre dans les épinards du Père Noël. Non, 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 non. Antoine, cette maquette n'est pas la nôtre et ce n'est surtout pas nous qui l'avons mis en vente. Voilà, ce point est clair, net. Alors, du coup, on va quand même profiter pour en reparler un petit peu de cette maquette, qu'on comprenne un petit peu comment est-ce que on a une reproduction qui arrive sur le marché à 2500 euros. Voilà, je pense que tu as plein de choses à nous dire par rapport à ça. Et puis, peut-être pour ceux qui ne connaissent pas encore l'histoire, bien nous raconter comment tu es arrivé à obtenir cette maquette de la Pessonnière, etc., etc. Oui. Alors en effet, il y a une chronologie et il est important de la reprendre au départ. La chronologie est simple. Lorsque nous avons entamé des recherches sur ce qui était Rennes-le-Château, Périllos et la documentation que nous cherchions à rassembler, chaque fois que nous partions et que nous faisions des recherches en dehors de Lyon et de notre premier périmètre, on se rendait chez des bouquinistes, des brocanteurs, des antiquaires, des personnes intéressées par les mêmes recherches que nous. Et tout simplement, je laissais des cartes de visite à ces gens-là avec au dos une liste de sujets et de thèmes qui m'intéressaient. Je n'ai pas eu souvent de retour. Et puis, un soir, je me souviens, c'était un vendredi. Tardivement, vers 22 heures, j'habitais dans le Pilat et je reçois un appel téléphonique. Et cet appel téléphonique, j'entends une voix qui me tutoie, une voix, ce que j'appelle poisse, avinée aussi un peu, et qui me dit, voilà, c'est toi qui cherches des affaires, des objets de curé. Alors, à 10 h du soir, je demande un petit peu plus de précision. Je lui ai précisé. Il dit, ouais, ben, tu m'as laissé une carte de visite avec tes coordonnées et puis charge des trucs de curé. Ah oui. Et je n'ai pas fait beaucoup de touches avec ce système pendant 6-7 ans. On peut dire que je n'ai pas fait d'autres touches que ça. Le reste était du tout venant que n'importe qui pouvait se procurer. Et qu'on peut se procurer n'importe où. Des objets de cure, des fonds de grenier ou de cave, des curés. Et je dis, bon, ben, qu'est-ce que vous avez en ces termes? Et il m'explique qu'il est casseur. Alors évidemment, casseur, c'est pas le gars qui prend une mitraillette et qui va attaquer le Crédit Agricole qui est en bas de chez lui. C'est un casseur, il est équipé d'une espèce de petit bulldozer, de camion, et il casse, pour des communes qui en font la demande, d'anciens bâtiments pour créer de nouvelles zones, qu'elles soient d'habitation ou de zones industrielles. Et avant, donc on lui demande de casser, donc il est payé, mais on lui laisse plusieurs mois auparavant pour récupérer tout ce qu'il peut vendre à côté. Les tuiles, les radiateurs, tout ce qui est en plomb, en cuivre, etc., les portes, les fenêtres. Et évidemment, arrivé ce qui reste des dépôts, il cherche à vendre d'abord à des antiquaires et puis à des brocanteurs. Et il m'explique qu'il lui reste dans une cave qui était sous cette usine un atelier qui était spécialisé dans la enfin, spécialisé, qui entre autres. Faisait du bronze, du cuivre et des alliages, et qui fabriquait ponctuellement des séries d'objets religieux, des chandeliers, ce qui est en cuivre, en bronze ou en laiton. Et il a d'abord vendu tout ce qui était intéressant et qui pouvait intéresser des collectionneurs, des brocanteurs, des antiquaires, et il lui restait de la drouille. Et cette drouille, il m'appelle en me disant, voilà, il me reste un truc de curé qui représente des montagnes. Des montagnes, voilà, c'est ça. Et bah, je lui explique que je ne comprends pas bien le rapport entre. Je comprends que c'est en fin de compte une carte d'état-major en relief
comme on en voyait assez fréquemment il y a une trentaine ou une quarantaine d'années, et puis la mode est passée. Mais voilà, c'est un relief qui représente la nature. Et oui, mais le rapport, alors, mais oui, mais c'était fait pour un curé, il y a, vous avez les courriers, oui, sous la maquette, dans une enveloppe, il y a des papiers. Alors, je l'entends déplier des papiers, et d'une voix hésitante, il essaye de traduire, et lui, mais c'est adressé à qui? Et il lit, mon sieur, le cure, Beurangère, j'allais, arrête tes conneries. J'ai cru qu'un copain me faisait une plaisanterie à 10 heures du soir. Et alors, le gars se met en colère, il dit, attends, tu vas voir si je t'attrape, tu vas voir les conneries, j'ai ton adresse, tu vas voir. Alors, j'ai dit, excusez-moi, j'ai pensé une plaisanterie. Et alors, il m'explique, j'ai dit, bon, et comment se procurer ceci avec les courriers? Demain matin, je suis au vide-grenier à Aix-en-Provence, qui est situé à côté de l'église, et tu verras, je suis dans une camionnette Citroën, les anciennes camionnettes où on aurait dit de la tôle ondulée, bleue. Et bien voilà, je t'attends. J'y suis à 8 heures. Voilà, tu viens, sinon, si tu ne viens pas, j'y fous en l'air, ça n'intéresse personne. On est parti pour arriver à 8 heures du matin à Aix-en-Provence. On a trouvé effectivement le vide-grenier. On a trouvé l'église. Effectivement, le terrain était contre l'église. Et je vois une camionnette Citroën bleue. Et il y a un type qui avait commencé à déballer sur des couvertures, des objets. On y va. Et voilà, vous nous avez téléphoné hier au soir. Ah ouais, viens voir, rentre. Et il empeste le pastis à 8 heures du matin. Et il me pousse dans la camionnette. Dans la camionnette, il y a un sac de pommes de terre. Et dans le sac de pommes de terre, il y a la maquette, la fameuse maquette qui a fait couler pas mal d'encre et qui a soulevé pas mal de polémiques. Et les papiers, ils sont dessous. Je t'ai dit, j'ai rien touché. Voilà, bon, je vois ça. Et l'en-tête était bien Monsieur le curé Beurangère Saunière, Rennes. À cette époque-là, on pouvait adresser un courrier à Rennes, ou à Rennes-le-Château, ou à Rennes-les-Bains, indifféremment. Et il voit que je suis très intéressé, et je dis, je suis preneur, c'est combien? Et il me dit, ouais, mais avec moi, c'est pas une vente de tapis, voilà, je veux 200 balles. 200 francs, il m'aurait dit 2000, 20 000, je vendais ma voiture, mes chaussures, même mon arme, mais le diable m'en aurait pas donné beaucoup de mon arme, mais quand même, je l'aurais vendu. Et il voit que, donc, on sort deux billets de 100 francs. On est en francs, hein, à ce moment-là. Il y a de ça pratiquement une trentaine d'années. Et oui, c'est ça, ça fait 30 euros, hein, de 100 francs. Oui, à peu près. Oui, c'est ça. Donc, il comprend que s'il avait mis même un zéro de plus, je me serais démerdé d'une façon ou d'une autre pour les avoir. Mais c'est un brocanteur. Un brocanteur ne revient pas une fois qu'il a fermé la main. Et il rajoute quand même, oui, et une bouteille de pastis. Et donc, ma compagne d'alors va vite au casino qui était sur la place et revient avec une bouteille de pastis qu'il débouche, qu'il commence à boire sec. Il me l'attend, évidemment, je n'en veux pas. Je prends la maquette et je m'en vais. Et là, oui, je n'arrive pas encore à bien comprendre. Et je me dis, c'est pas grave, le réveil va sonner, je vais me réveiller. Le réveil n'a jamais sonné depuis cet instant. C'est ainsi que j'ai récupéré la maquette. Alors, à partir de là, il y a des gens comme Jean-Luc Robin, qui est décédé depuis, qui m'a dit, je ne te crois pas. Un truc comme ça ne se passe pas comme ça. Et je me suis aperçu que peu à peu, si j'avais dit, voilà, ce sont des hommes qui sont venus frapper à ma porte, avec des lunettes noires, des costumes noirs, et qui viennent me dire, voilà, Monsieur Douzet, rendez-vous à tel endroit, nous allons vous donner en grande cérémonie la clé de l'histoire de Rennes-le-Château. Non, c'était pas ça du tout. Évidemment, j'aurais dit que ça se passait de préférence dans une grotte, dans un souterrain, avec derrière une musique de Wagner. Là, on m'aurait cru. L'histoire du casseur, de ce gitan, sans aucune culture, l'opportunité et les faits qui m'ont fait rentrer en possession de cette maquette, encore aujourd'hui, il y a des gens qui ne croient toujours pas. C'est pourtant comme ça que je l'ai mis.
Alors évidemment, j'ai tout de suite pensé que Saulnier avait mis, Saulnier commande sa maquette et il est mort un peu plus d'un an après. Par chance, il paye comptant. Et de fait, l'atelier du moulage, l'objet ayant été payé, ils ne le mettent pas aux pertes et profits. On s'aperçoit que sur la dernière enveloppe, il y a un tampon marqué « décédé ». Et on comprend que Saulnier a payé et n'a jamais vu même le premier moulage, ce qui va devenir une cire perdue, il ne l'a jamais vu. Il a demandé des modifications, on les retrouve, mais c'est tout. Et ça a été une chance pour moi, car s'il n'avait pas payé d'avance, l'atelier de fonderie aurait sans doute jeté l'objet, mais ils se sont dit, il y a peut-être des héritiers. Évidemment, un curé n'a pas souvent des enfants, mais de la famille, un papa, un frère, un oncle, qui aurait pu dire, on a le reçu, on veut cet objet. Il est passé au rebut, ensuite ça s'est empilé dessus, et si ce casseur n'avait pas fouillé jusqu'au sol les caves où étaient entreposés les objets inutilisés, nous ne l'aurions jamais récupéré. Voilà comment on est entré en possession. Pendant plusieurs années, on a erré autour de Rennes-le-Château en promenant cette maquette, parce que je me suis toujours dit, Saulnier présente un paysage. Elle est très laide. C'est un objet qui n'a vraiment aucun... personne ne peut dire c'est beau, c'est laid. Donc, il y a une autre fonction, c'est une carte en relief. Et j'ai cherché, je n'ai jamais trouvé. C'est à partir de là que les choses vont commencer à bouger. Ça se sait, parce que les gens qui l'ont vu en parlent, et je ne m'en suis jamais vraiment caché au début. Et Terre Drédé, et là je vais donner des noms, ça ne me gêne pas, messieurs Cyprin et Garrett m'ont contacté, ils ont vu la maquette, et très curieusement, ces messieurs qui étaient dans l'autorité de Terre Drédé vont effacer mon nom des colonnes où j'étais adhérent, me disent-ils pour que je sois tranquille et que personne vienne me casser les pieds pour demander à voir ou se faire prêter la maquette. Ce qu'ils feront, eux, me disant qu'ils partageront les résultats de leurs recherches. Évidemment, mon grand-père m'expliquait qu'un objet, c'est comme un être humain. Bien torturé, on lui fait dire tout ce qu'on veut. Et ils avaient trouvé deux ou trois endroits autour de Rennes-le-Château, Rennes-les-Bains, qui pouvaient, en forçant bien, pouvait correspondre à des détails de la maquette. Encore aujourd'hui, je vois des gens entrer en contact avec nous, me disant « ça y est, ne cherchez plus ce que vous êtes, j'ai trouvé à quel endroit de Rennes-les-Bains correspond votre maquette. » Je suis très content pour eux, mais je n'y crois pas. Voilà. En échange, jusque-là, je ne sais toujours pas quoi en faire. Et puis on arrive à Jean-Luc Robin. Jean-Luc Robin est la personne qui gère le domaine de la Bessonnière. Il fait visiter et il en entend parler. Il me demande de prêter la maquette. À partir de là, le torchon a brûlé avec les gens de Terre Drédé, qui ne sont pas contents que quelqu'un d'autre puisse l'avoir. Le pont est coupé, ça n'a plus aucune espèce d'importance pour moi. Robin la montre. Nous faisons une petite causerie pour présenter la maquette. Et à partir de là, au bout de 15 jours, il me téléphone en me disant « Écoute, il y a beaucoup trop de monde qui tourne autour de cette maquette. On va finir par avoir des ennuis. Soit on va essayer de nous la voler, soit ils vont la fracasser pour que personne ne puisse la voir. » Et il m'explique qu'il serait temps que j'en fasse un moulage double. C'était une véritable chance. On va le voir par la suite. La première chance, c'est que nous allons faire un moulage, il me donne une adresse, et à Narbonne, il y a un atelier qui s'occupe de faire des moulages de pièces archéologiques pour le musée lapidaire de Narbonne. Je vais le voir, je lui montre l'objet, et il me dit « c'est rien du tout, je vous fais ça cet après-midi, vous revenez demain matin, votre copie sera faite ». On y est allé le lendemain matin, et après, on pourra en reparler s'il nous reste du temps. Il s'est passé un événement, et l'événement a eu des témoins, des preuves, et la preuve essentielle est encore dans une petite boîte chez nous. C'est ce que j'appelle la petite machine à remonter le temps, que toi-même ou tes
spectateurs, spectatrices vont pouvoir aller voir sur YouTube en tapant André Douzet, la petite machine à remonter le temps. Et effectivement, on y voit une machine à remonter le temps. Portatif et individuel. Je te laisse la surprise. Ensuite, à partir de là, au moment où il démoule, et il me dit, j'ai pas eu le temps de démouler tout de suite, voilà, je vais démouler, et puis s'il n'y a pas de bulle d'air, eh bien voilà, la copie que vous voulez sera faite. Il démoule, il n'y a pas de bulle d'air. Et la maquette est restée telle qu'elle était, évidemment. Mais je vois le contre-moule. Je vois l'empreinte qui est faite par élastomère. Donc, c'est une empreinte extrêmement fidèle. On ne peut pas plus fidèle. Et là, il y a un détail sur ce contre-moule que je connaissais depuis très longtemps parce que il y a longtemps qu'on tournait autour de Périllos sans bien savoir par quel côté prendre ce que Saunière était allé y faire. Et je comprends qu'en fin de compte, la véritable carte en relief de Saunière, c'est l'empreinte. On va voir que Saunière, dans l'affaire de Rennes-le-Château, va inverser assez souvent, parfois avec humour, malice, certaines choses. Le pilier sera renversé, il sera inversé. Pas mal de choses qu'il va retourner dans l'autre sens que d'une chaussette. Et c'est en fin de compte ce contre-moule qui est la véritable carte en volume. Les choses vont aller très vite, ça va se savoir. À partir de là, il va y avoir un événement et je vais entrer en contact avec un personnage dont je ne dirai pas le nom, mais que tout le monde connaît. L'histoire de la maquette est devenue maintenant le secret de Polichinelle. Tout le monde pratiquement sait maintenant l'a entre les mains. Et ce personnage prend contact avec moi d'une façon fort sympathique, aimable, amicale, demande d'avoir la maquette, ce que je lui montre, voilà. Et un beau jour, après tout, il n'y a qu'à lui demander, plutôt que de me demander à moi, dans quelles circonstances il entre en propriété de la maquette, comment elle lui arrive entre les mains. En fin de compte, il l'a eue, il me l'a soustraite d'une façon, on ne peut plus, officielle, de telle manière que je n'ai jamais pu remonter au créneau. Bien entendu, lui s'est parjuré, n'ayant pas respecté sa parole d'honneur et les termes du contrat qui permettaient que je puisse la récupérer. C'est pas grave, il l'a. À lui de dire dans quelles conditions il l'a eu. À moins qu'il nous dise effectivement que ce sont les hommes en noir ou les ovnis ou la réincarnation de Saunière qu'il a lui apporté dans sa porte ou dans ses chaussures un matin de Noël. Bien, toujours est-il qu'il va l'avoir d'une façon qui va m'empêcher de pouvoir la récupérer. Et à partir de là, la maquette va disparaître. Du moins, peu de personnes vont pouvoir la revoir. C'est pas grave, vu que nous en avons une copie par moulage. Mais dès cet instant, je vais préciser que la copie, la toute première, donc celle qui est entre les mains de son propriétaire actuel, est un moulage qui est incomplet. C'est-à-dire que lorsque nous, on l'a eu, le moulage était complet. Et lorsqu'il, lui, l'a récupéré, il manque deux ou trois petites choses qu'il n'a pas eues. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, c'est l'arroseur arrosé. C'est un petit peu comme si tu achetais une Rolls-Royce et que l'usine Rolls-Royce te dise « Ah, on a oublié de vous dire, il n'y a pas de réservoir carburant, il n'y a pas de clé de contact. » Oui, tu pourras dire à tes copains « Regardez ma belle Rolls-Royce, mais elle ne marche pas. » C'est-à-dire que sur la pièce d'origine, t'as quoi ? T'as un morceau qui est tombé, c'est ça ? Il manque des morceaux. D'accord. Il manque des morceaux et d'autres éléments, ce qui fait qu'à titre exceptionnel, vu que nous avons le moulage de la maquette qui nous a été, qui a changé de main, et comme c'est un moulage par élastomère, il est fidèle, c'est-à-dire que les pièces manquantes s'emboîtent parfaitement, les pièces manquantes originales s'emboîtent parfaitement sur la copie qui est faite par moulage de la première maquette. C'est-à-dire que nous, dans le musée, nous avons l'opportunité, la possibilité de montrer à nos visiteurs la maquette telle que Saunière l'a commandée et telle qu'elle a été faite dans l'atelier qui s'occupait d'objets religieux. C'est toute la différence entre ce que ce monsieur a entre les mains et ce que nous avons nous. Voilà. Alors,
Après, voyons voir, qu'est-ce qui a pu se passer? Parce qu'après, les choses vont quand même aller très vite. Alors, tout de suite, je vais dire le prix. Et ce monsieur pourra dire si c'est faux ou non. On va parler d'environ, je parle en francs, hein, bien sûr, 15 000 francs. Peut-être un peu moins. En tout cas, c'est entre 12 000 et 15 000 francs. Et je vais te poser la question, Antoine, et en même temps, je vais la poser à toutes les personnes qui nous regardent et qui vont nous regarder. Tu sais, Antoine, que cet objet est faux, puisqu'on a même dit au début que c'était moi qui l'avais fabriqué, que c'était moi qui avais fabriqué cette maquette. Pourquoi ? Comment cette idée a pu survenir ? Eh bien, les chercheurs de Rennes-le-Château vont très souvent puiser dans la vie intime des autres pour pouvoir avoir une vision plus complète d'une situation. Et on apprend que Douzet est maquettiste. Et je l'avoue, et oui, j'étais maquettiste. À 13 ans, je faisais voler de petites maquettes en balsa qui étaient propulsées par un moteur thermique de 0,9 ou de 3,5 et qui emmenait en vol circulaire une maquette volante. De maquette volante à maquette de la Bessonnière, certains ne franchiront qu'un pas. Je mets bien au défi quiconque de faire voler en vol circulaire cette maquette avec un moteur thermique à l'avant. Toujours est-il qu'on a dit, oui, c'est Douzet, maquettiste, qui l'a fabriqué. Très vite, très très vite, même mes antagonistes vont dire, ok, c'est bon, hein, cette maquette a visiblement un bon siècle, ça ne peut pas être Douzet, évidemment. Bien, alors, donc cette maquette, Antoine, presque 15 000 francs. Vas-tu acheter un objet qui est faux et où tu vas crier à qui veut t'entendre que cet objet est bidon, n'a ni queue ni tête, que c'est une douzetterie avancée? Attends, Audrey, que je comprenne bien. Donc, cette maquette originale, finalement, à la base, elle t'a été rachetée par ce monsieur, donc 15 000 francs, c'est-à-dire 2 000 euros de notre époque. C'est ça, tu lui as vendu la maquette d'origine. Oui, pour résumer, disons que je ne l'ai pas vendu d'une façon ou d'une autre. Je me suis trouvé dans une situation où je n'ai pas eu d'autre solution. Ça ne me gênerait pas un jour qu'on revienne. Si jamais il avait le culot de dire que ce n'est pas vrai, je pourrais y revenir. L'ennui pour lui, c'est que j'aurais des témoins. Mais je pourrais y revenir sans aucun problème, où des gens peuvent me dire encore une fois, me voir au musée et me demander quelques explications. Mais voilà, c'est ça, en gros, la maquette a changé de main pour du fric. D'accord. Donc, que je résume, effectivement, ce monsieur, s'il avait eu un seul doute sur le fait que la maquette soit fausse ou fabriquée par un amateur maquettiste, il est 2000 euros pour pouvoir obtenir cette maquette. Au pire, une vingtaine d'euros, et puis on n'en parle plus pour la matière première. En gros. Alors, à partir de là, on a eu droit à tout. Hein. Le premier étonnement, et je me demande quand même comment encore aujourd'hui les gens acceptent une telle situation. À moins qu'on trouve quelqu'un qui ait tant d'argent qu'il le jette par la fenêtre ou qui achète tout et n'importe quoi pour écouler ce qu'il a en trop dans ses brouettes ou dans ses placards en billets de banque. Comment peut-on mettre une somme comme ça dans un objet qu'on sait faux, bidon ou fabriqué récemment ou ayant ni queue ni tête avec la recherche sur Péridos? Ça, je ne l'admets pas, je ne le comprends pas. Ensuite, ça va aller très vite. La maquette ayant changé de main, les lieutenants de ce monsieur vont s'apercevoir que la maquette est authentique, qu'elle correspond à peu près à l'époque annoncée, hein, c'est-à-dire, on va dire, à un an près, la mort de Béranger Saunière. C'est indéniable. Mais jusque-là, on peut encore parler de pur hasard. Il y a tant de choses qui ont été faites cette année-là que rien ne peut certifier quoi que ce soit. Alors, comme on ne peut plus dire que la maquette est un faux, comme on ne peut plus dire que c'est André Douzet qui a fabriqué ça, alors on va dire, c'est OK, la maquette date de cette époque. Mais quand même, restons sérieux. Hein, vous allez voir, et alors il paraît que plusieurs des lieutenants de ce monsieur vont conduire une enquête phénoménale, digne du FBI, digne des renseignements généraux, pour s'apercevoir
qu'elle a été fabriquée à Jérusalem. C'est fantastique. Tout le monde sait qu'à Jérusalem, on fabrique des maquettes pour l'abbé Béranger Saunière. C'est connu de tous les chercheurs. Ce n'est plus un secret pour personne. Mais comme ça ne colle pas, évidemment, alors on va dire, mais non, 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 mais on va vous expliquer. Cette maquette a été faite environ à 150 modèles. C'est-à-dire qu'elle aurait environ 150 petits frères ou petites sœurs, selon si tu estimes que c'est un moulage au masculin ou une maquette au féminin. Quoi qu'il en soit, la maman de cette maquette devait être un fusil mitrailleur parce qu'elle en a quand même produit environ 150, paraît-il. Alors, pourquoi avoir produit 150 maquettes? Ah ben, mais la réponse, on l'a. C'est que tout simplement, on a fait 150 maquettes, à 10 ou 20 près, évidemment, simplement parce qu'on va les distribuer dans les patronages pour que lors du catéchisme, on puisse enseigner la religion d'une façon ludique à tous ces bambins à qui on va faire rentrer de gré ou de force le catéchisme, bien entendu. Regardons la maquette. La maquette va nous montrer effectivement des montagnes, des monts, des vallées. Il y a un cartouche. Le cartouche va effectivement nous parler des lieux du Saint-Sépulcre, avec en sous-titre « état primitif ». Ce qui laisse sous-entendre qu'il y a un état secondaire. C'est toujours pas moi qui ai fabriqué ce cartouche. On le lit. Hein. Mais, comment? Alors, il y a des écrits sur cette maquette. On va voir « Jardin de Gethsémani »,« Mont du Calvaire »,« Golgotha », citerne. Et puis on va voir deux tombes. Voilà. Hein? Alors, on nous dit, eh bien oui, c'était pour apprendre le catéchisme, c'était pour apprendre la religion aux petits-enfants d'une façon ludique. Alors, qu'on ne me fasse pas trop sourire, parce que il y a un siècle, le catéchisme s'enseignait à coups de règles sur la tête et non pas à coups de jeux ludiques et de montrer aux enfants les trois derniers jours de la vie du petit Jésus pour expliquer la religion. Ça n'a rien à voir avec la naissance du Christ et ça n'a rien à voir avec l'explication globale de la religion, qu'on soit ou non croyant. Alors à partir de là, comment va-t-on pouvoir continuer à maintenir cette explication d'un objet ludique? Je n'ai jamais eu la réponse. Ensuite, s'il y a eu 150 maquettes, même 120, fabriquées à Jérusalem, comment se fait-il qu'on n'en ait pas retrouvé la trace? Et à l'époque où je travaillais avec Philippe Coppens, il y est allé. Il a retrouvé les petits bollandistes, il a trouvé des jésuites. On lui a montré effectivement une maquette de Jérusalem. Mais la maquette, elle fait plus de 5 mètres de long. C'est Jérusalem, à l'époque du Christ. Donc effectivement, il y a eu une maquette. Bon, mais de celle-ci non plus, on n'en a pas fait 200. Il n'y en a qu'une. Alors, à partir de là, s'il y en a eu 150, comment peut-on m'expliquer qu'on n'en ait jamais retrouvé une? Alors, si c'est moi que le hasard a désigné, c'est formidable, admets-le. La seule rescapée de toutes ces maquettes, c'est moi qui l'ai eue. Pourquoi pas? Mais moi, j'ai quand même une question avant quand même d'aller plus en avant là-dessus. Parce qu'il y a quand même eu un livre... Alors, je crois que c'est le livre « L'Évangile de Jésus » de Monseigneur Galbiati, oui. Saint-Gaëtan, aux éditions Mediaspol, oui. Où effectivement, il montre l'image de la maquette, en tout cas d'une maquette, avec à côté une autre maquette du Saint-Sépulcre, je crois. Oui. Et il y aurait une maquette à Jérusalem. Donc, il y a vraiment une maquette quand même à Jérusalem. Est-ce que c'est cette maquette-là ou est-ce que c'est une autre qui y ressemble? Est-ce que tu as plus d'informations? Nous n'avons aucune information. Simplement que je vais recommander aux chercheurs ou à toi-même. Mais simplement, il suffit de relire ce qu'on a écrit. On peut se procurer les livres religieux où on va voir la photographie de cette maquette. Sur Internet, c'est 3 francs 6 sous. Au début, ça n'intéressait personne. Ce sont des livres qui sont destinés à des religieux. D'ailleurs, il y a une imprimature. C'est un livre pour des religieux ou des gens qui sont très portés sur la religion. Oui. Alors, ce que je conseille, c'est de reprendre toutes les éditions, depuis la première en italien, bien sûr, jusqu'à la dernière. Et on va voir que cette page-là va évoluer. Pas les autres, celle-ci. Les termes vont changer. Pas les images,
mais les termes vont sensiblement changer. Vu de loin, c'est toujours la même, mais elle évolue. Et ensuite, je proposerai un autre jeu. Joue à retrouver le photographe qui a pris la maquette en photographie. Intéressant. Si tu n'y arrives pas, ou si tes chercheurs préférés, familiers et amicaux n'y arrivent pas, nous ferons une deuxième émission sur ce grand jeu, cherche et retrouve le photographe. Parce que lui, il sait. Forcément, il a photographié. Il sait bien où il a photographié, quoi il a photographié, et pourquoi ou pour qui. Alors moi je vais quand même t'avouer quelque chose. J'ai été sur le site internet du musée de Jérusalem, hein, et ce site est plutôt bien fait. Ils mettent en exposition, en photo, l'ensemble de leur catalogue, l'ensemble de leurs objets. J'ai passé plusieurs heures à regarder, en mettant des mots-clés, en cherchant un petit peu au hasard, en essayant de trouver dans où est-ce qu'il pourrait être planqué ce genre de maquette. Alors, en tout cas, si elle y est, elle n'est ni exposée aujourd'hui en vitrine, ni exposée dans leur catalogue de photos. Donc, c'est con, cool, hein. Voilà, elle est peut-être au fin fond de leur cave, mais voilà. C'est, oui. J'invite tout le monde à faire ce genre de recherche. Voilà. Si vous la trouvez, vous pouvez m'envoyer, il n'y a pas de souci. Ensuite, à partir de là, il y a quelque chose que n'importe qui peut faire. Aujourd'hui, on peut se procurer des plans type carte d'état-major, en tout cas carte IGN, puisque ce terme n'est plus vraiment de mise, des cartes type IGN de Jérusalem. Ce n'est plus un lourd secret militaire pour les pays qui s'occupent de cet endroit. On peut les avoir. D'ailleurs, pratiquement toutes les Bibles nous montrent souvent des résumés des lieux de Jérusalem. La fameuse Bible de Jérusalem a des cartes qui sont bien détaillées et qui nous montrent la topographie de Jérusalem et les lieux de la Passion. Eh bien, il faut vraiment ne pas y aller avec le dos de la cuillère pour trouver une similitude entre ce qui est écrit sur la maquette et la réalité des lieux topographiques. Est-ce que la religion s'amuserait à mentir aux petits-enfants qui vont apprendre le catéchisme? Allons, ce n'est pas l'habitude. Comment se fait-il qu'il y ait tant de... Surtout si cette maquette est fabriquée par les petits bolandistes, les jésuites ou quelques curés qui sont sur place à Jérusalem. Comment peut-il commettre des bourdes aussi énormes entre la réalité et ce qu'il y a sur ce moulage? Les questions sont simples. Et là, il n'est plus question de grands secrets ou de réincarnation de l'abbé Gélis, Boudet ou Béranger Saunière. Ce sont des réalités qu'on peut vérifier. Il faut qu'on m'explique tout ça. Et ensuite, comment se fait-il qu'on n'ait jamais retrouvé la trace d'une seule de ces maquettes? En fin de compte, si on en a même fait 200, il y a beaucoup plus de 200 cures à cette époque en France qui apprennent le catéchisme aux enfants. Si on prend Paris, Marseille, Lyon et Bordeaux, c'est fait. Il n'y en a plus pour le reste du pays. Comment se fait-il? On n'en ait jamais retrouvé une. De deux choses l'une, soit l'objet tellement précieux et tellement beau que tout le monde s'est battu pour pouvoir la récupérer et la mettre sur son buffet, soit c'est tellement laid et on l'a vite foutu à la poubelle parce que les gamins vomissaient dessus en apprenant le catéchisme, soit cette hypothèse est complètement fausse et il n'y en a qu'une ou deux. Et j'en ai récupéré une. Alors évidemment, si c'est le hasard, eh bien, je lève le chapeau que je n'ai pas, mais que j'avais lorsqu'on parlait de Mr. Wolf, et je lève mon chapeau à Monsieur Hasard, qui a eu ce geste fort sympathique en me permettant de l'avoir, et ensuite à mes antagonistes de la récupérer, de l'éplucher, de la démonter, et de nous dire « Oh, mais oui, je sais qu'il y en a eu pratiquement 150 ». C'était ludique, mais à cette époque, je reviens là-dessus, il n'y a qu'à demander au vieux curé si on faisait dans le ludique. C'était les coups de règle sur la tête et ça rentrait. Point final. Donc on est bien, au pire même, je peux même admettre qu'il ait existé une base de maquette que Saunière a récupérée, qu'il a modifiée. Ensuite, dans ce qui est écrit, on va voir plusieurs choses. Si ce sont les lieux des trois derniers jours de la vie du Christ, ça résume quand même la Bible à quelque chose d'assez court. Bien entendu, une religion est née à cet instant. C'est très important pour les croyants. Mais rien d'autre. On n'a rien sur la vie de Jésus et on n'a rien sur l'histoire de la Bible dans cette maquette. On ne nous dit même pas que c'est Jérusalem. Rien. Alors, à partir de là, moi,
Je vais aller un petit peu plus loin. En fin de compte, il y a très peu d'indications écrites. Jardin de Gethsémani, ou plus communément appelé Mont des Oliviers. D'accord ? Ensuite, le Mont Golgotha. Bien entendu, c'est incontournable. C'est l'endroit où a eu lieu la crucifixion. Ensuite, il y a un endroit qu'on appelle Citerne. C'est un trou. Et c'est écrit Citerne. Ensuite, évidemment, c'est là que ça va se corser. Il y a deux parties topographiques. Et là, le premier texte était vertical et il est passé à l'horizontale, ou l'inverse, je ne sais plus. En tout cas, il y a eu une modification de vertical à horizontale demandée par Saulnières. Et c'est là qu'il y a quelque chose que je ne comprends pas. Que ce soit à Jérusalem ou que ce soit Saulnières, quoi qu'il en soit, nous avons affaire à des curés. On est bien d'accord. Un curé, c'est fait pour nous parler de religion. Comment ces gens-là, de la religion, ces prêtres, quels qu'ils soient, vont nous montrer qu'il y a deux tombeaux lors de la Passion du Christ? Pour le peu qu'il me reste du catéchisme que j'ai appris et de ce que j'ai continué à apprendre dans la recherche que nous avons faite, effectivement, on décloue Jésus et on s'aperçoit qu'on a commis une bourde, on n'a rien prévu comme tombeau. Pour faire très vite, on est vendredi, le Shabbat arrive et les Juifs disent « il est hors question que ce bonhomme reste accroché à sa croix ». Déclouez-le, mettez-le dans un tombeau. Ah oui, mais c'est qu'on n'a pas prévu de tombeau. Joseph d'Arimathie arrive derrière avec la sonnerie du 101e de cavalerie des westerns de notre enfance et qui va sauver la situation. En disant, il n'y a pas de problème, regardez, juste à côté, il y a mon tombeau, il est tout neuf. Quel morceau de chance, admettons-le. Mettez-y cet homme, on ne peut pas le laisser sans sépulture. Hop, on le met dans le tombeau. Admettons que c'est quand même déjà tout un tas de circonstances dont on parlera par ailleurs. Mais revenons à la maquette. Ensuite, nous savons religieusement que le lundi de Pâques, Jésus sort de son tombeau qui n'est pas le sien, mais celui de Joseph d'Arimathie. On est bien d'accord. Même mes antagonistes auront de grosses difficultés à nous montrer que ce n'est pas ça. Bien, en fin de compte, il n'y a qu'un tombeau. Pourquoi des curés, que ce soit ceux de Jérusalem, blandistes, jésuites ou autres, ou la Bessonnière, quel curé aurait commis la bourde de nous dire « Ah, mais il y a deux tombeaux. Il y a le tombeau de Joseph d'Arimathie, qui est connu comme le loup blanc, et à côté, il y a le tombeau de Jésus. » Voilà. Ils sont l'un à côté de l'autre, tout va bien. Ça ne tient pas debout. Il n'y a que sur cette maquette qu'on trouve cette représentation avec les textes qui sont dessus et qui vont légèrement modifier. Ensuite, sur l'évangile de Jésus, ce livre italien, on va nous parler d'un autre tombeau juif à côté de celui de Joseph d'Arimathie. Mais si on sait que c'est un autre tombeau juif, pourquoi on n'en parle pas tout de suite? D'accord. Pourquoi sur la maquette? C'est là où tu voulais en venir tout à l'heure, quand tu disais reprenez ce fameux livre et puis regardez les indications qu'il y a écrites dans les légendes sur la maquette, ces indications qui évoluent au fil des temps. C'est parce qu'au début, il y avait comme indication le fait qu'il y avait les deux tombeaux du Christ, et ensuite ils l'ont transformé en un deuxième tombeau d'un autre juif quelconque, c'est ça? Voilà. Oui. Hein. D'accord. Enfin, ce n'est qu'une hypothèse. Je n'y étais pas. Et je ne fais pas dans la réincarnation. Je ne suis pas une réincarnation de qui que ce soit qui a vécu à cette époque. Peut-être, mais je m'en fiche. Mais en tout cas, toujours est-il que si on reprend les événements religieux, le peu de certitudes historiques que nous pouvons en avoir, et puis l'archéologie, qui apporte quand même quelque chose de précieux. Si on prend ces trois éléments, ça ne colle pas. Ni avec la topographie de la maquette, ni avec la véracité de ce qui s'est passé à cet endroit lors du fameux moment de Pâques, la Pâques. Hein. Ça ne colle pas. En tout cas, il ne peut pas y avoir de tombeau. Alors, si c'est à Jérusalem que ça a été fait, que mes antagonistes m'expliquent comment on va apprendre aux petits Français qu'il y a eu de tombeau. Ça ne tient pas la route. Et si c'est Saulnières, eh bien, on peut dire qu'il a trop picolé, que le vin doux des Corbières lui est monté à la tête et que le jour où il a commandé sa maquette, il en avait un bon coup sur la cafetière et qu'il est parti en travers. Voilà. Il n'y a plus que ces solutions. Elles ne me satisfont pas parce qu'on en est toujours au même point. Comment expliquer qu'on a réussi à faire changer de main cette maquette, qu'on n'en entend jamais plus parler? Elle a disparu. Si c'est bidon, il y a de quoi démolir Douzet en 30 secondes. Et je vais aller plus loin
Antoine. À une époque, on m'avait demandé de faire une causerie à Paris, dans un local qui appartenait à des scouts. J'ai eu droit à toutes les moqueries d'un certain nombre de personnages parce que la patrouille scout s'appelait les Hirondelles. Alors voilà, l'hirondelle ne fait pas le bonheur, la maquette à douzaine non plus. Voilà, voilà, c'est fait. C'est pas la peine de revenir dessus. Toujours est-il que lorsque certains de mes antagonistes ont su que je venais faire une causerie à Paris, sur leur territoire, on imagine le scandale de Douzet arrivant, chassant sur le territoire des autres, il amène sa maquette, il amène les objets qu'il a trouvés. Mais à partir de là, sur Internet, et je peux donner le nom de cette personne, un des principaux destructeurs de l'hypothèse maquette récupérée par André Douzet dit « Eh bien, puisque c'est comme ça, je viendrai à cette causerie et en deux ou trois questions, l'affaire sera réglée. » Et bien entendu, j'y suis allé. Et j'ai attendu ce monsieur. On va trouver actuellement sur le net. Bien sûr, s'il le faut un jour, je veux bien donner son nom. Hein, alors qu'il est, s'il regarde Miasme, c'est fait, il s'est reconnu, ainsi que les gens qui lui tournent autour pour en savoir plus ou moins sur la maquette. Je viens, il a tellement été affirmatif que les lieutenants du nouveau propriétaire de la maquette, voulant insister en direct à la mise à mort de Douzet, viennent, ils sont deux. Et je les vois arriver, on se serre la main, parce qu'après tout, même sur un ring de boxe, les boxeurs se serrent la main, enfin, les gants se touchent avant la passe d'armes, les fleurets aussi. Hein? Bon, ils entrent, ils s'assoient, ils payent leur entrée, je fais ma causerie qui est longue, elle dure pratiquement 3 heures. Et à la fin de la causerie, je dis maintenant, si vous avez des questions, allez-y. Et pendant mon exposé, j'avais vu un homme qui semblait ricaner un peu de ce que je disais, et je me dis, c'est lui, c'est le fameux lieutenant qui est là et qui, en deux questions, va me mettre KO. Et lorsque je dis aux gens, avez-vous des questions à poser, ils se lèvent. Je dis, ah, monsieur Trois Points, j'attendais que votre intervention. Mais je ne suis pas ce monsieur, je m'appelle un tel, je ne comprends pas. Et je regarde, en questionnant des yeux, les deux lieutenants qui sont au fond et qui me font des grands signes en me faisant, non, c'est pas lui, il n'est pas venu. C'est con, hein, Antoine, de promettre devant les lieutenants. Et puis, à qui pouvait lire à cette époque-là Internet en disant, si vous voulez voir la mise à mort de Douzet, deux questions et l'affaire est réglée. Et moi, je suis venu, j'y étais. Ces lieutenants aussi, tout le monde l'a cru, il n'est pas venu. Motif, j'avais autre chose à faire et ça ne m'intéressait pas. Ah oui, bien sûr. Mais ça fait quand même des choses extrêmement curieuses. Et aujourd'hui, ce monsieur continue à me casser du sucre sur le dos. En résumé, je veux dire qu'aujourd'hui, tous les antagonistes de la maquette qui m'ont critiqué, moqué, injurié, volé, je ne les ai jamais vus de front, de face, ni au musée, ni avant. Et tu me connais physiquement, je ne suis pas un boxeur, ni poids plume, ni poids lourd. Je ne pratique pas le catch, ni le floret, malheureusement. Mais jamais, et je leur ai dit, venez me voir, regardons la maquette, discutons. Venez avec deux témoins. Moi, je n'ai pas besoin de témoins. Je me suffis à moi-même. J'attends depuis 15 ans, voire 20 ans, que quelqu'un vienne en face me dire « Non, ça, c'est pas vrai, parce que ça. » Et vienne voir la maquette que j'ai, complète cette fois. Et c'est pour toutes ces choses que je me dis « Quel étonnement !» Encore aujourd'hui, des gens pensent que c'est moi qui ai monté toute cette histoire. Et l'histoire recommence. Certains, n'ayant pas tous les éléments, commencent à repenser qu'effectivement, c'est moi qui ai fabriqué la maquette. Je les remercie de me penser capable de faire une chose comme ça. C'est très étonnant. Alors, je ne sais pas ce que vont penser les gens qui nous écoutent. Je suis prêt à répondre à des questions s'il le faut. Mais combien de fois, Antoine, ai-je entendu la mise en doute de la maquette? Et toi peut-être aussi. La maquette à Douzet, la maquette à Dédé. Un exercice de douzetterie avancée. Oui, mais pourquoi ne vient-on pas me voir? Et lorsque j'ai fait des causeries, et lors de cette conférence à Paris, c'était le moment ou jamais de venir poser deux questions, de me mettre au tapis, c'était fini. L'histoire s'arrêtait là. Oui, les questions sont simples. Pourquoi ceci n'a-t-il pas eu lieu? Ça aurait été tellement simple. Et encore aujourd'hui, qui accepte une passe d'armes avec moi sur la maquette? Personne.
Admets, tu me connais, je ne suis pas quelqu'un d'impressionnant physiquement. Personne ne veut entamer cette fourme, mais dans mon dos, on a. Alors voilà, maintenant on en arrive. Un beau matin, il y a quoi ? Un mois. Pas plus d'un mois. On me dit, mais tu vends ta maquette ? Je ne comprends pas. Et on me montre que sur eBay, cette maquette est en vente. 2500 euros. Ça ne peut pas être le propriétaire. Parce que dis donc, elle a pris une sacrée moins-value. Hein. Elle est dégringolée. Mais ce n'est pas la maquette. Et il y a eu des reproductions qui ont été faites. Il y a encore aujourd'hui deux maquettes qui sont dans la nature. Je sais qu'il les a eues entre les mains. Elles ont disparu. Quand tu dis qu'il y a eu des reproductions qui ont été faites, on peut même dire que c'est vous, à un moment donné, où vous donniez la possibilité aux gens qui le souhaitaient d'acquérir une copie de la maquette. Absolument. Et on ne s'est jamais caché, et on ne s'est jamais caché que c'était une maquette par moulage. Et je peux même dire que ce ne sont pas les ateliers extraterrestres ou de la très sainte Inquisition ou de l'Opus Dei ou des hommes en noir ou de la franc-maçonnerie ou de je ne sais quoi qui ont fait ces moulages. Tout simplement, les moulages, les reproductions ont été faites par le musée de Tautavel et d'une façon tout ce qu'il y a de plus légal, il n'y avait aucun secret. Donc à partir de là, c'est facile à vérifier. Je ne m'en suis pas caché. Et à l'époque, je crois que tu vendais, ou le musée les vendait 400 francs. Voilà. Voilà. Hein? 45 euros. Voilà. Donc je me dis quand même, il y a quelque chose qui ne tourne pas rond. Hein? Et puis, il y a une bourde qui a été faite sur eBay par la personne qui a mis cette image. C'est que les maquettes qui ont été reproduites, c'est moi qui les patinais et qui faisais le coffrage autour. Et comme je n'avais pas beaucoup de moyens, elles évoluent de l'une à l'autre, simplement par les façons du patinage et le coffrage. Ce qui fait que la maquette que j'ai vue sur eBay, je sais d'où elle vient. D'ailleurs, elle a vite disparu. Hein? À un moment, sur un site, je ne sais plus lequel, j'ai dit, mais si c'est une des nôtres, je les reconnais, elles ont tout un détail, non pas volontaire, c'est simplement que j'ai fait avec les moyens que j'avais. Et je les connais, j'en ai fait tellement peu, et celle-ci, ça y est, j'ai compris. Je sais qu'il l'a eu entre les mains. Voilà, hop, 8 jours après, adieu la maquette. Peut-être a-t-elle été vendue, peut-être l'a-t-on retirée de la vente, que sais-je, je ne sais pas. Toujours est-il que cette affaire a remis quelque chose en route, et que nous ne nous sommes jamais cachés, ni moi, ni la personne qui s'occupait de la partie administrative, commerciale et de l'intendance à propos de la maquette, nous ne nous sommes jamais cachés de dire « oui, nous en proposons une copie ». Mais nous pouvons montrer ce que nous coûte la maquette lorsque la copie est faite par le musée. On peut montrer, c'est facile à vérifier, il suffit de demander au musée combien ça coûte, et voir si on exagère ou si on essaye de tromper les gens. C'est facile à vérifier. Non. Simplement qu'on la vend le prix déjà du travail du musée, la patine, le coffrage et le transport ou l'envoi. Et puis effectivement, je crois que nous avons dû prévoir 10 ou 20 euros ou 30 ou même 50 de bénéfices, ce qui est colossal. Tout le monde sait que Douzet s'est fait, j'espère que tu me permettras ainsi que tes spectateurs, cette image fort cavalière et fort vulgaire, je me suis fait des couilles en or sur les maquettes. Tu sais bien quand tu viens me voir qu'il y a 3 Cadillacs qui sont garés sur le quai. Ce sont les miennes grâce à la vente des maquettes. Si j'ai été vulgaire, je te prie et je prie toutes les personnes qui m'ont entendu de ma grossièreté. Mais c'est un terme que tout le monde connaît. Allez vous laver les oreilles au savon. Voilà Antoine. J'ai quand même une question à te poser et c'est une question qui revient souvent avec tes détracteurs. Par rapport au courrier qui accompagnait cette maquette. Oui. Alors, si je résume, il y avait dans ces courriers, tac, tac, où est-ce que je l'avais ? Par là. Tac, voilà. Donc, il y avait deux lettres de Béranger Saunière, datées de 1916, dont l'une, c'est une liste d'instructions pour la réalisation du bronze, et l'autre, des modifications de texte prévues dans le moulage définitif. Mmh. Et, visiblement, il y aurait même quelques dessins sur des carbones et des bleus. Pardon, il y aurait quelques dessins explicatifs. Oui. Il y aurait des carbones et des bleus du reçu de la facture. Oui. Une copie lettre de relance. Mmh. Et un autre double avec la mention décédée. Voilà. Et tes détracteurs, en fait, finalement, ce qu'ils te reprochent, c'est de n'avoir mis à disposition que des bouts d'extrait
voire même, ou alors d'avoir mis la lettre, mais en cachant la date de la lettre. Et d'ailleurs, la question, c'est déjà pourquoi, c'est quoi l'intérêt effectivement de cacher la date, ou je ne sais plus si c'est la date ou l'expédition, tu me diras ça. Et après, la deuxième question, mais on y reviendra après, c'est entendu à ton musée. Eh bien oui. Mais commençons par la première, du coup. Pourquoi est-ce qu'il y a eu tant de détractions, tant de gens qui sont venus sur ces lettres? Alors, tant de gens qui sont venus sur ces lettres parce qu'elles créditent la maquette. Forcément. Donc, si on dit c'est un faux, ben oui, c'est un faux. Si on dit c'est Douzet qui l'a fabriqué, etc., etc. Ah, mais les faux, c'est peut-être moi aussi qui les ai faits, bien entendu. Il y en a bien qui ont été jusqu'à dire que les archives Courtade, c'est moi qui les ai faites. Évidemment, il a fallu d'abord que je trouve du parchemin, du boyau de chat, et puis de l'encre de l'époque. Mais bon, tout se trouve de nos jours en Chine. Mais quand même, je pense que ma vie n'aurait pas suffi à le faire, même si j'avais commencé à 5 ans. Alors qu'il est, je serai encore en train de finir d'écrire le premier tome des archives Courtade, qui sont répertoriées, qui sont connues. Donc, mais ça, c'est pareil. Donc, à partir de là, quand quelque chose déplaît, c'est un faux. Ou alors, il faut donner tout l'élément. Oui, bien sûr, je vais donner tout l'élément. Et puis, les gens vont aller à ma place, finir le travail. Ce qui fait que maintenant, depuis 2 ans, même un peu plus, nous avons pris d'un commun accord avec mon épouse de ne plus donner d'informations aussi détaillées à qui que ce soit. En échange, nous acceptons que quelqu'un vienne nous voir et discute à bout portant, face à face. Ça, c'est fait. Tout le monde le sait. D'ailleurs, Antoine, tu le sais tellement que sur Miasme, à propos de ces choses-là, j'ai bien dit que la personne qui doute vienne au musée. Il me semble bien que je l'ai fait. Je l'attends toujours. Sans doute, dans une prochaine réincarnation, allons-nous nous rencontrer. C'est possible. Hein? Mais c'est marrant. Tous ces gens qui critiquent, Antoine, nous sommes des hommes. Est-ce que tu ne crois pas que ce serait plus sérieux, plus masculin de se voir en face, en posant la maquette sur la table et en disant « Discutons, nous sommes entre personnes de bonne extraction, d'excellente compagnie, nous allons en parler poliment, courtoisement. » Ça ne se fait pas. Et combien de conférences ai-je faites à Perpignan, à Houpoule, à Lyon, chez nous, ailleurs, jusqu'en Belgique, jusqu'en Suisse, jusqu'en Espagne, et que, bizarrement, jamais aucun de mes détracteurs soit venu en public dire « Eh bien voilà, je paye mon entrée, à la fin de cet exposé, je vais poser 2 ou 3 problèmes, 2 ou 3 questions devant tout le monde. » Tu imagines l'impact si quelqu'un était sûr de me démantibuler en 3 questions. Il vient à une de mes causeries où il y a 40 personnes. Je ne peux pas répondre ou je suis dévoilé, mais je pars avec ma culotte sur la tête. Je suis obligé de fermer tous mes sites. Douzet n'existe plus. Je suis obligé de changer d'identité. Hein, il est évident, à un moment donné, moi, je me mets à la place de chercheur. Hein. Je suis chercheur sur un sujet qui me passionne. Je sais qu'il y a un individu qui me semble un peu bizarre, qui a trouvé la preuve de ça, qui lit partout, et puis qui accepte de la montrer, la preuve. Je ne sais pas, au bout d'un moment, j'y vais, et je vais voir la preuve, et puis si c'est un faux, le fameux individu, je démontre du coup que ce qu'il fait, c'est du grand n'importe quoi. Et c'est vrai que ce qui est bizarre dans ton histoire, c'est que tous tes détracteurs, il n'y en a aucun, au final, qui vont jusqu'au bout de l'action pour te mettre le nez dans, on va dire, oui, dans ce qui serait faux, voilà, je ne voulais pas dire l'autre mot, et finalement qui viendrait rétablir la vérité. Oui. Donc c'est vrai que ça t'a pourri pendant des années tout ça, mais oui, Finalement ça te sert aussi parce que ça montre que t'es peut-être, que ton histoire est peut-être vraie de A jusqu'à Z. Surtout, je voudrais ajouter un dernier détail à propos du moulage, de ce qu'on voit sur le moulage. Bon, il n'y a pas besoin d'être fin topographe, et il n'y a pas besoin d'être religieux
archéologue ou historien pour voir que la maquette telle qu'elle est présentée, dans son sens de lecture, c'est-à-dire la maquette qui a changé de main, disons, plus poliment, eh bien, ne représente pas les lieux de Jérusalem. C'est pas vrai. Les noms y sont, et encore les noms, citernes, hein, citernes. Bien sûr qu'on a une petite idée. Jardin Gethsemane, mais oui, Mont du Golgotha, je suis entièrement d'accord. Mais on aurait pu nous montrer la place de l'obélisque à Paris en mettant les mêmes noms et en enlevant les immeubles. Et ça faisait pareil. En échange, dès qu'on va faire le contre-moule de cette maquette, eh bien, bizarrement, c'est toute une partie très précise de la topographie des territoires de Périllos qui apparaît. Sacré hasard, Antoine, non ? Non seulement les noms ne collent pas, c'est pas vrai, la maquette était faite pour les petits catéchistes. Et pan, le hasard, qui est tellement gentil avec André Douzet, il lui reste une louche de dessert à la cantine. Il dit, tiens, Douzet, finis donc le dessert. Voilà, je vais gratifier le contre-moule des détails qu'on va trouver sur le territoire de Périllos. Qui aujourd'hui peut me dire que le roudoun ne ressemble pas à ce détail de la, du contre-moule qui ressort ? Eh bien, il vient de me le dire en face et qu'on aille sur site. Mais, écoute, pour rappel, hein, dans notre première causerie, donc vous pouvez la retrouver sur la chaîne YouTube Miasme TV, à un moment donné, je fais la juxtaposition de ce contre-moule et de la carte vue par Google Earth de cette région-là. Et effectivement, les éléments y sont. Voilà. Donc après, vous pouvez pousser plus loin la comparaison. Mais déjà, faites-le et vous verrez que pour un coup du hasard, c'est quand même un coup du hasard. Oui, et d'ailleurs, je profite de Miasme pour remercier encore une fois du plus chaleureux et du plus profond de mon cœur, Monsieur Hasard, et qui a été d'une gentillesse, admets-le, assez phénoménale à mon égard. Hein, et donc aujourd'hui, ben oui, il y a pas mal de choses. On pourrait, par exemple, interroger le nouveau propriétaire de la maquette, puisqu'on veut à tout prix que je m'exprime, moi. Mais pourquoi ces gens-là ne lui disent pas, enfin, mettez un point final à ce type qui raconte n'importe quoi. Venez à visage découvert, on vous paye le casse-croûte, la canette de bière, et puis faites-nous un exposé à Miasme, par exemple. Expliquez-nous d'abord comment vous l'avez eu, combien vous l'avez payé, pourquoi. Pourquoi acheter si cher quelque chose dont vous ricanez et dont tout le monde autour de vous ricane ? C'est cher payer quelque chose qu'on ne montre pas. Dans quel but ? Ce sont des questions qui seraient intéressantes. Et pourquoi me les poser à moi ? Pourquoi les gens qui savent maintenant, c'est un secret de Polichinelle, tout le monde sait où a fini la maquette. J'ajouterai aussi une petite cerise, mais qui ne va que sur mon gâteau. Ce personnage, il y a 20 ans, à l'issue de la fin de nos relations diplomatiques, en partant, avec beaucoup de calme, m'avait dit, voilà, Dédé, dans un mois, tu n'existes plus, on ne te voit plus sur l'affaire de Rennes-le-Château. C'était il y a 20 ans, j'y suis toujours, et nous savons, malheureusement pour lui, que depuis plusieurs mois, lui n'y est plus. Alors, bien entendu, on va me dire que c'est une manœuvre stratégique, que tout est prévu pour un retour tel celui de Napoléon, qui va revenir en loose day et qui va, à la tête de ses derniers grognards, reprendre le pouvoir. Je veux bien, je le lui souhaite de tout mon cœur, mais il faut quand même admettre que ça fait beaucoup de choses qui ne tiennent pas la route pour quelque chose qui est faux, qui est bidon, qui n'existe pas, qui ne correspond à rien, et qui encore aujourd'hui fait, il n'y a pas longtemps, il n'y a pas 8 jours, que des sites, dont un espagnol, viennent en me disant « Est-ce que vous acceptez de nous parler de la maquette ?»« Ah, mais avec grand plaisir !» Et par contre, ça dégénère très vite. « Ah, oh, vous êtes un menteur, ça ne se peut pas, c'est pas vrai. » Eh bien, ne me demandez rien. Ou venez au musée. D'ailleurs, j'en profite pour dire quelque chose d'intéressant. À tous ces chercheurs, pour qui j'ai beaucoup d'admiration, je parle des tout premiers chercheurs, des années 60 jusqu'à 70, c'est ce que j'appelle les vrais ténors, ceux qui sont allés sur le terrain. Mais qu'ont-ils trouvé en termes archéologiques, en termes monétaires, en termes trésoraires? Ben, mais qu'est-ce qu'ils peuvent mettre sur une table? On peut le leur demander. La réponse est sans doute pas grand-chose. La Bessonnière a tout bouffé, il a même mangé l'os du jambon. Hein,
il ne reste même plus rien, on sait simplement qu'il a eu un jambon, c'est tout. En échange, si on me dit, vous, qu'est-ce que vous avez trouvé? Tu l'as vu toi-même, il y en a plusieurs vitrines dans le musée. Et ces objets ont été vus par tout le monde, chaque fois qu'on a fait des causeries. Donc, ce n'est pas un rare privilège qu'on t'a accordé. Hein. Et si quelqu'un dit, c'est pas vrai, tu y étais, Antoine. À ce moment-là, tu vas être traité de complice de Douzet. Mais je sais que tu es une autre pointure et que tu auras de l'argument pour aller contre ça. Voilà, je pense que cette petite mise au point me semblait nécessaire par rapport à ce que j'ai entendu. Et chaque fois qu'il sera peut-être indispensable, je suis prêt à reprendre. Et nous reparlerons quand même, puisque je crois qu'il en est temps. Nous avons parlé de Périllose grâce à toi. Nous avons parlé de la maquette grâce à toi. Je crois qu'on va parler de Rennes-le-Château, encore une fois, grâce à Miasme, un jour prochain, après Charles Perrault. À tout seigneur, tout honneur, évidemment. Tout à fait. Alors, je vais quand même en profiter pour dire que vous envisagez avec Marie-Ange Thibault de faire un événement spécial l'année prochaine dans ton musée. Donc pour le moment je le mets au conditionnel parce que c'est vrai qu'on en a parlé un petit peu la semaine dernière et pour le moment rien n'est encore peaufiné, vous êtes en train de réfléchir à ça. Ça sera peut-être à une date qui a son importance par rapport à la Bessonnière. Ça sera une expo spéciale à Bessonnière pendant toute une semaine avec donc la possibilité effectivement de voir la maquette, de voir les éléments que tes contradicteurs t'ont reproché de ne pas avoir, donc les papiers, les fameux papiers que j'ai cités tout à l'heure, et d'organiser le premier jour, faire une visite privée qui sera réservée aux chercheurs, hein, tous ceux qui ont mais peut-être voilà, le droit d'entrée, ça sera peut-être de présenter le livre qu'ils ont, qu'ils ont fait pour pouvoir participer à cette première journée, où là, donc, en comité privé, tu pourras montrer effectivement aux chercheurs, aux détracteurs et à ceux aussi qui te suivent, les preuves qui sont tant réclamées. Tout à fait, tout à fait. Mais aussi, également, il faut bien réserver quelques petites choses à ces gens qui nous ont fait confiance, à ces gens qui nous ont cru. Il y en a de moins en moins. Hein. Mais ceux qui sont restés depuis maintenant 5, 6, 7 ans sont toujours restés et nous sont fidèles. Et je pense que lorsque je vois aujourd'hui tout ce qui sort sur Rennes-le-Château, on peut dire il y a environ une dizaine d'éléments qui sortent chaque année, nous assurant qu'enfin, cette fois, nous avons la clé pour aller au trésor de Rennes-le-Château. Ça, c'est une chose. Ça entretient l'espoir, ça entretient la curiosité, c'est très bien, quelque part. Mais, d'un autre côté, on a la sensation que tout a été dit, tout a été montré à propos de Rennes-le-Château. Je parle en dossier, en écriture, en éléments. Eh bien, je dis non. Et en effet, nous disposons, et je pense qu'on a dû peut-être une ou deux fois en parler, sans dévoiler plus, nous disposons d'ouvrages, dont un, par exemple, qui a été détruit tout de suite après son imprimerie, et puis un autre qui a été sorti en 10 exemplaires seulement, et puis d'autres dont on n'entend jamais parler, bizarrement. Ils sont là, on ne sait pas, on ne sait rien sur eux. Il y a des noms d'auteurs bidons, des noms de rue bidons, un imprimeur bidon, comme si on voulait cacher quelque chose. Nous allons les montrer, mais surtout, nous allons probablement, à cette occasion, rééditer un témoignage plus vivant que le saurait l'être un livre, et puis peut-être au fur et à mesure, peut-être pour cette occasion, nous allons sortir un premier volume d'une série de 4 ou 5 qui n'ont jamais été donnés véritablement à la connaissance du public et des chercheurs de Rennes-le-Château, et qui pourtant vaut son poids de cacahuètes sur le sujet. Également, nous disposons d'une trentaine d'interviews qui datent des années 60 à 70, de messieurs qui aujourd'hui sont très âgés et qui à cette époque-là étaient très jeunes, démarraient dans la recherche, ont été interviewés. Les interviews n'ont pas été choisies ni présentées à la télévision ou dans des émissions ou des documentaires. Nous les avons récupérées et ce sera toujours intéressant lors de cette visite, si
on maintient et si on arrive à faire cette petite activité dans notre musée, eh bien, à ce moment-là, nous allons pouvoir les présenter en circuit fermé, c'est-à-dire en boucle. Hein. Ce qui fait que les gens pourront voir des images, des interviews complètement inédites, des scoops, et comme un certain a dit à propos d'une activité qui se prépare, des collecteurs. Mais les collecteurs, qu'est-ce que c'est ? L'égout qui récupère tous les autres égouts d'une ville s'appelle le collecteur, le grand collecteur. Ce qui est à l'intérieur n'est pas appétissant pour autant. Alors, je tiens à ajouter un dernier détail à propos du musée et de mes travaux, c'est que ce musée contient beaucoup d'éléments qui ont appartenu à ma famille et à ma recherche, mais je tiens spécifiquement ici à préciser encore une fois que ce musée est dû à la ténacité et à la gentillesse de mon épouse et que c'est notre musée. C'est le musée d'André et Odile Bouzet. Je tiens de plus en plus à signaler que si elle n'avait pas été là, le musée n'existerait pas et je ne sais pas ce que je serais devenu. Donc, je tiens à la remercier encore une fois ici, avec la permission de Mélancie. Écoute, rendons hommage à Marie-Ange Thibault, qui passera d'ailleurs sûrement sur Miasme très, très bientôt. Elle va finir par accepter... à force que j'insiste sur le sujet. En tout cas, on espère qu'on vous a dévoilé un petit peu plus d'informations sur cette affaire de la maquette de la Bessonnière. Et puis, on vous tiendra informé de ce fameux événement qui devrait durer une petite semaine l'année prochaine et qui devrait se faire au musée de l'étrange à Serrières. Voilà. Et dès que c'est fait, dès que les réservations sont en place, on vous en parlera sur cette chaîne. André, merci de nous avoir encore accordé de ton temps. Merci pour cette causerie et je te dis à très bientôt. C'est moi qui te remercie et qui remercie Mélancie. À bientôt.